Et salut à tous, ici JC et on se retrouve sur la série FIFA 15 pour l'Euro 2016 avec, eh bien, à la veille du match capital entre la Belgique et l'Irlande, la confrontation sur mon FIFA 15. On va voir ce que ça va donner. Alors, dans la réalité, eh bien, les Diables Rouges qui ont très très mal commencé cet Euro avec la défaite 2-0 contre l'Italie. De très très nombreuses critiques envers les Diables Rouges et surtout contre l'entraîneur Mark Wilmots avec des choix tactiques on ne peut plus discutables, mais également des critiques contre les joueurs avec notamment Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku complètement invisibles lors de ce premier match de poule. Bref, qu'en sera-t-il? Certainement de nombreux changements à la fois dans la composition et la tactique. On verra ça ce samedi à 15h à Bordeaux avec ce match capital à la fois pour la Belgique et l'Irlande. En attendant, eh bien, je vous propose d'avoir un aperçu sur FIFA 15 de la confrontation entre ces deux équipes avec une équipe, eh bien, que j'ai également recomposée. Il y a quelques changements par rapport au premier match. Bref, Belgique-Irlande, ça se joue maintenant. Rendez-vous tout de suite sur le terrain. Et nous voici donc sur le terrain pour cette confrontation capitale entre la Belgique et l'Irlande. Le stade est comble. On n'attend plus que les joueurs qui vont bientôt faire leur entrée sur leur terrain. On voit ici les supporters des Belges. Et voici le coin des supporters irlandais. Et voici les joueurs. On ne le répétera jamais assez, hein, vraiment un match capital pour la Belgique, mais aussi pour l'Irlande. L'Irlande qui, en cas de défaite, stagnerait avec un seul point. Bientôt les hymnes nationaux des deux équipes. Voilà, la Brabançonne applaudie par le stade tout entier. Très bonne ambiance ici. Et il en est de même pour l'hymne irlandais. Dernier moment de concentration pour les 22 acteurs de ce match à enjeu. Une pression énorme. Bien évidemment, la composition. Alors, une composition qu'on attend au tournant pour la Belgique. Une équipe modifiée. Courtois dans le but. En défense, Vertonghen, Vermaelen, Alderweireld, Simon. Devant, Nainggolan. Et ensuite, sur le côté, Mertens, De Bruyne. Sur l'autre flanc, Fellaini, Hazard. Et en pointe, Origi à la place de Lukaku. Du côté de l'Irlande, dans le but, Ford. En défense, Ward Wilson, Oshie, Coleman devant McGeady, Gibson, Houlahan, McCarthy. Et malheureusement, la compétition est déjà partie. Mais bien évidemment, en attaquant de pointe, la star de cette équipe irlandaise, Robbie Keane, qu'on ne présente plus. Les joueurs sont prêts. L'arbitre procède aux dernières vérifications. Voilà qui est fait, tout semble en règle. Dans quelques secondes, l'envoi de cette partie. Voilà, c'est parti donc pour ce Belgique-Irlande avec l'Irlande qui ouvre ce match. Alors Gibson. Ballon repris par les Diables. Fellaini qui vient trouver Hazard sur le flanc, qui se fait déjà chipper le ballon. Coleman. Coleman qui se défend bien, qui passe à McCarthy. Fellaini pour le gêner avec succès, qui retrouve Hazard sur le flanc. Ah, qui pousse le ballon un peu trop loin, mais qui obtient la touche. Première remise en jeu ici pour les Diables. Vertonghen pour Hazard. Ah, Hazard qui a poussé le ballon trop loin. Vertonghen qui s'arrache ici et qui obtient une remise en jeu. Alors Hazard qui est tout seul, oui, Hazard va-t-il s'infiltrer?
Il pivote, il centre pour Riggy, mais ne le trouve pas. Et attention, ici, ça peut être un contre pour les Irlandais. Non, ballon récupéré par Fellaini, qui remet derrière pour Vermaelen, Nainggolan. Pour Mertens. Mertens sur le flanc droit. On a vu qu'avec Kevin De Bruyne, ce n'était franchement pas une réussite. Alors, Simon qui s'est avancé, mais mauvaise passe ici pour De Bruyne, justement. Ballon irlandais. Alors, Ward a ballon perdu ici. Bon retour défensif de Simon. Alderweireld pour Fellaini. Fellaini en profondeur pour Origi. Ah, il est un peu tout seul là, Origi. Que va-t-il faire? Il trouve De Bruyne. De Bruyne qui perd le ballon. Donc, ici, un filtre qui va. But! Dévié par le gardien irlandais. Mais voilà, Kevin De Bruyne qui vient de faire taire toutes les critiques à son encontre. Qui ouvre le score pour les Diables Rouges. Avec certes un peu de chance. Il avait perdu le ballon. Il a un contre favorable. Il tire le ballon dévié en plus par le gardien. On le voit ici sur cette action. Voilà, dévié par le dessous du bras du gardien irlandais. Mais le ballon rentre dans le but. Et c'est donc l'ouverture du score en faveur de la Belgique. 1-0. But de Kevin De Bruyne à la 11e minute. Les Irlandais qui se relancent. Oulahan qui va tout seul. Va-t-il armer son tir? Non, il pivote. Il conserve le ballon. Fellaini n'arrive pas à le prendre. C'est brouillon là. Mais ce sont les Belges qui récupèrent ce ballon. Nainggolan calmement pour Fellaini. Qui trouve Origi ici en pointe. Dans le rond central. Ah, qui glisse pour De Bruyne. Mais c'est trop long. Repris par la défense irlandaise. Les Irlandais qui perdent la balle. Hazard. Fellaini. Hazard qui appelle. Non, Fellaini malheureusement perd le ballon. Et le contre. Remise en touche pour les joueurs irlandais. Les Diables qui ont certainement repris confiance là maintenant avec ce but. Alors, Gibson pour Keane. Robbie Keane qui va tout seul. Non, qui perd le ballon. Deux joueurs sur lui. Bien évidemment, il est étroitement surveillé. Sans doute le meilleur joueur de cette sélection irlandaise. Hazard qui trouve le ballon ici en profondeur. Qui va tout seul. Il s'infiltre. Il tire. Ah, dans le filet latéral. Très très bel effort personnel ici d'Eden Hazard qui a voulu placer le ballon entre le poteau et le gardien. Malheureusement, ballon mal placé. On était tout près ici de 2-0 à la 20e minute. Et Ford va pouvoir dégager ce ballon. Voilà qui est fait. Fellaini à la réception pour Vertonghen. Ah, Vertonghen qui perd le ballon, ça ne lui arrive pas souvent. Coleman. Oh, beau crochet de Coleman pour Gibson. Gibson, ballon lobé ici vers McLean qui perd le ballon, qui l'a poussé un peu trop loin. Mais c'est mal repoussé par la Belgique et les Irlandais qui reviennent à la charge avec Ward pour Gibson. De nouveau pour Ward qui cherche un partenaire, qui conserve ce ballon. Gibson de nouveau qui décale pour McLean qui garde ce ballon. Gibson dans le rectangle, mais c'est vraiment un mur rouge qui vient s'abattre devant lui. Il perd le ballon. Attention, ça peut repartir en contre ici. 4 joueurs contre 4. De Bruyne qui trouve intelligemment Mertens là sur le flanc, qui a tout le temps de centrer. Mertens qui s'infiltre dans le rectangle, qui pivote, qui centre. Origi, non. Ah, et malheureusement c'est un défenseur irlandais qui récupère ce ballon, pardon. Et c'est reparti, McGeady. Oh, McGeady qui a boulevard devant lui. Qui va toute l'attaque irlandaise. Qui sprint vers Courtois. Le centre, non, repoussé par la défense belge. Hazard qui se loupe ici complètement. Alors, Vertonghen. Ah, Vertonghen ici qui s'est fait déborder. Et retour. On ne peut plus parfait de Vermaelen. Kevin De Bruyne, l'auteur du but. Et premier corner pour les Irlandais. 32e minute. Légèrement en retrait. Ah, c'est un peu trop puissant.
Alors, est-ce que Origi peut récupérer ce ballon? Oui, il va le faire, mais il est tout seul. Il est tout seul. Les attaquants belges qui ont du mal à revenir. Origi va tout seul. Il est tout seul devant le gardien. Il tire. Oh, magnifique parade ici de Ford qui sauve son équipe d'un 2-0. Très, très grosse occasion pour Origi. Et les Belges qui perdent le ballon dans le rond central. Okin, Keane, Gibson, c'est de nouveau perdu en faveur des Diables. Et des Nazars, ah non, qui se fait contrer ici par Coleman. Gibson, qui ne trouve pas de partenaire, qui perd le ballon. Belle talonnade ici, Fellaini, Origi. Ah, ballon contré. Ballon donc en faveur des Irlandais. Alors, Keane, qui est un peu tout seul là, qui va devoir remiser en retrait. Voilà qui est fait. McLean, Keane de nouveau. Gibson. Ah, Gibson qui perd le ballon. Fellaini. Ah, qui cherche Origi en profondeur, mais non. Repoussé par la défense irlandaise. Et on s'approche doucement de la fin de cette première mi-temps. Origi. Ballon récupéré un peu chanceusement ici par Fellaini. Fellaini en retrait. Vermaelen. Origi. Origi. Ah non, qui loupe complètement sa passe ici. Alors, c'est reparti dans l'autre sens. McGeady. McGeady, très joli crochet. McCarthy. McCarthy pour Gibson. Gibson toujours. Qui trouve Keane. Keane qui va tirer. Qui se fait accrocher par Vertonghen. L'arbitre a sifflé. Penalty. Penalty pour l'Irlande, visiblement une faute de Vertonghen. Il faut à tout prix revoir cette action. Juste avant la pause, on voit Keane qui s'avance. Ah oui, c'est indiscutable. Vertonghen en retard qui prend le pied de Keane qui ne joue absolument pas le ballon. Penalty indiscutable. Et c'est Keane qui va s'en charger face à Thibaut Courtois. Le duel entre deux grands joueurs. La pression maximum, attention, King qui temporise, et go! But pour l'Irlande, égalisation à la 45e minute. Thibaut Courtois qui était parti du bon côté, mais qui malheureusement ne touche pas ce ballon, qui lui passe juste au-dessus. Ah, vraiment dommage ici pour Thibaut Courtois. Ah, il s'en est fallu d'un rien pour qu'il dévie ce ballon de la tête. But ici de Robbie Keane, la star irlandaise, qui remet son équipe à égalité. Un but partout juste avant la pause. Ah, décidément, les Belges ici qui accusent certainement le coup, mais qui repartent à l'attaque. Fellaini, peut-être une occasion. Et non, l'arbitre vient de siffler la fin de cette première mi-temps. Une première mi-temps, ma foi, avec une légère domination des Diables Rouges. Mais qui ici, malheureusement, sur cette mauvaise action de Vertonghen, eh bien, a subi la loi du football, la loi du penalty. Un penalty transformé par Robbie Keane. Et c'est donc un but partout. À la mi-temps, décidément la pression sur les Diables Rouges. Dans quelques instants, retour sur le terrain avec la reprise de la seconde période. Et voilà, c'est reparti. Les Belges qui ont intérêt à se ressaisir et à concrétiser leurs occasions, qui ne sont pourtant déjà pas très nombreuses. Peut-être ici, Nainggolan qui s'est avancé. Nainggolan qui pivote, qui trouve Fellaini. Fellaini qui conserve très bien ce ballon. Alderweireld. Alors Simon qui s'est également avancé. Oh, Simon qui face très bien son opposant, mais malheureusement le ballon trop puissant. Ah, Simon qui s'est récupéré ici, qui s'est racheté. De Bruyne. De Bruyne qui trouve Origi. Est-ce qu'il va y aller tout seul Origi? Ah là là, mauvais contrôle d'Origi. Décidément, beaucoup de pertes de balles. Oh, attention Hazard. Hazard qui a récupéré chanceusement le ballon et qui croise trop sa frappe malheureusement. Encore une belle occasion ici pour les Diables Rouges. Mais Hazard qui loupe complètement sa frappe. Ah là là, ces Belges qui ont des occasions mais qui échouent à chaque fois.
au niveau de la concrétisation. C'est reparti. Hazard sur le flanc. Qui peut jouer ici avec Fellaini. Voilà, très bon ballon ici en profondeur de Fellaini. Ah non, trop fort. Ah là là, il y a du talent dans cette équipe, mais malheureusement, beaucoup de talent individuel, mais en équipe, c'est autre chose. Alors qu'on revoit le but libérateur pour l'Irlande. Alors, Ford, qui dégage calmement pour Ward. Ward sur le flanc gauche, qui revient au milieu du terrain. Personne ne va dessus. Houlahan. Houlahan. Ah, faute de Fellaini. Pas de carton. Un match avec très peu de fautes. Au moins un point positif. Alors Ward à nouveau. Oh, sur le flanc, ça centre. Ballon récupéré par McLean qui peut recentrer. Sortie de Courtois. Impeccable, rien à redire. Qui relance à la main calmement pour Fellaini. Qui remet à Hazard. Hazard. Allez, qui a des espaces. Voilà, qui continue, qui a un boulevard ici devant lui. Oh, le tacle, pas de faute. Oh, ce sera à revoir ça. Il me semblait qu'il y avait une faute ici, indiscutable sur Eden Hazard. L'arbitre n'a rien sifflé. Et attention, ça repart dans l'autre sens. Mais bonne intervention ici de Jan Vertonghen qui sort ce ballon. Et premier changement pour l'équipe irlandaise. La montée de Mailer à la place de Gibson. Mailer qui trouve ici le ballon mais qui le perd aussitôt. Hazard. Hazard. Ah, les Belges qui ont du mal à repartir vers l'avant. Voilà, Hazard qui est esselé. De nouveau intercepté fautivement. Mais l'arbitre ne bronche pas et lui fait signe de se relever. Hazard qui récupère ici le ballon suite à un contre chanceux de Fellaini. Hazard qui va centrer en retrait. Et non, malheureusement, mauvais ballon. C'est récupéré ici par Keane. Keane qui lui aussi est tout seul face à Simon. Simon qui s'est effacé face à lui. Et malheureusement, Keane sous la pression qui perd ce ballon en dehors des limites du terrain. C'est reparti pour la Belgique. De Bruyne pour Fellaini. Fellaini, De Bruyne. Mertens. On n'a pas trop vu jusqu'à présent. Qui peut ici passer en profondeur. Non, qui fait la talonnade. Le ballon arrive quand même à Laurent Simon. Simon, il n'y a qu'Origi dans le rectangle. Ah, Laurent qui a voulu s'infiltrer. Et il a intérêt à vite revenir. Parce qu'il faut-il le rappeler, il est défenseur droit. Et là, il est tout à l'avant. Heureusement, De Bruyne. Très bon retour défensif. Alors, De Bruyne qui a toujours le ballon pour Fellaini. Fellaini pour Eden Hazard. Alors, que va faire la star de Chelsea? Hazard qui s'infiltre. Qui change complètement de côté avec Laurent Simon. Qui va tenter de loin. Ouh, très, très bon tir ici du défenseur belge Laurent Simon. Mais ça vient heurter la barre derrière le but. Et deuxième changement pour les Irlandais. Avec la montée de Walters à la place de McGeady. Ford qui dégage calmement pour Ward. Attention le pressing. Ouh, Ward qui a joué avec le feu ici. Attention, 75e minute. Il ne reste plus qu'un quart d'heure dans cette rencontre. Ward qui va tout seul. Qui l'a joué un peu trop perso. Et c'est Simon qui récupère ce ballon. Fellaini. Fellaini pour Hazard. Hazard qui a beaucoup d'espace ici sur son flanc, il devrait en profiter. Qui remet à Fellaini. Fellaini pour Origi. Origi qui contrôle. Ah, il aurait pu frapper directement, mais non, il a fait le contrôle de trop. Et le ballon est irlandais. Non, perdu. De Bruyne. De Bruyne beaucoup plus présent depuis qu'il est dans l'axe. Alors Fellaini, que peut faire Fellaini face à cette défense irlandaise très très regroupée, très compacte. Mertens qui trouve une ouverture. Origi. Non, attention De Bruyne qui récupère ce ballon. Nainggolan. Nainggolan pour De Bruyne. Oh là là, cette défense irlandaise infranchissable. Sans pitié. Alors Nainggolan à nouveau qui perd le ballon. Récupéré par Vertonghen. Ah non, il aurait dû décaler ici.
Vertonghen qui essaie de s'arracher pour récupérer ce ballon sans succès, mais heureusement le ballon revient quand même d'aller dans les pieds des diables. Fellaini. Fellaini qui essaie de trouver Hazard sans succès. C'est pour Origi. Fellaini à nouveau. Et non, décidément. Énormément de pertes de balles pour les diables. Et les Irlandais qui à chaque fois repartent en contre. Qui arrive à conserver le ballon, sauf ici justement quand je le dis, Fellaini, ah là là là, qui perd encore une fois le ballon, mais il le récupère. Hazard, Hazard pour N'Golan, voilà, qui repère encore le ballon. Trop de pertes de balles du côté de la Belgique. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont gagner, bien au contraire. Et attention, nous sommes déjà dans les arrêts de jeu ici. Origi en profondeur qui décamé, qui pousse ce ballon trop loin. Oh, récupéré par Hazard. Hazard, est-ce qu'il peut tirer de là? Il va tenter sa chance. Et voilà, encore une fois, contré par cette défense irlandaise. On s'oriente lentement mais sûrement vers un match nul, un but partout. Ce qui visiblement satisfait l'entraîneur irlandais, qui gagne du temps ici, qui procède à son troisième et dernier changement avec la sortie de Keane et la montée de Long. Alors attention, sans doute une dernière occasion ici pour les Diables. Eden Hazard sur le flanc, qui est face à son opposant, qui s'infiltre, qui tire. Et c'est la fin de cette rencontre décevante pour les Diables, mais aussi pour l'Irlande. Ces deux équipes avaient un besoin vital de l'emporter. Malheureusement, un but partout. Le but à l'11e minute de Kevin De Bruyne avec un peu de chance. Et ensuite, égalisation à la 45e des pieds de Keane sur une intervention fautive de Vertonghen. Dommage ce penalty. Et c'est donc un résultat, ma foi, surprenant pour cette rencontre. Même si on savait les Belges pas très en forme, on pouvait penser quand même qu'ils allaient se ressaisir contre cette équipe d'Irlande, déjà très surprenante dans son premier match de l'Euro, et encore ici sur FIFA 15. Belgique-Irlande, score final, un but partout. Voilà donc pour le match de FIFA 15, pourvu que ça ne soit pas le score lors de la rencontre réelle qui aura donc lieu ce samedi à 15h. Allez les diables, on espère que vous allez gagner, que vous allez être transformés par rapport à votre premier match contre l'Italie. D'autant plus que l'Italie a gagné ce vendredi 1-0 contre la Suède. Donc si les Diables gagnent, eh bien ils pourront prendre la deuxième place. Et c'est tout à fait possible face à cette équipe d'Irlande qui néanmoins s'est montrée très impressionnante lors de son premier match. Allez, voilà pour Belgique-Irlande. Allez les Diables, on y croit. Rendez-vous samedi à 15h pour les voir à la télévision. Quant à moi, merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.